Ndoro. Charlie Nanina. Fizzo baby. Master P. Sinari merutse gukundwa kaza. Sinari merutse gutetesha. Jawe birirang nabindi bisana byo. Nani byonzonon kuko wabimaye. Sinabivuga ngo nukuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari. Concernant l'histoire de ce mémorial a vu le jour en 2004. Et c'était au moment où nous commémorions pour la 10e fois le génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda. Mais avant cette inauguration officielle, il y avait déjà une partie qui avait été conçue pour inhumer dignement le reste du corps des victimes du génocide, là où actuellement plus de 250 000 personnes sont estimées à être enterrées ici. Donc les enterrements en dignité ont commencé en 1999. Puis par après, de 2001, il y a eu le processus par la mairie de la ville de Kigali. L'ancien maire de la ville est allé visiter le Holocaust Center en Angleterre. Et il s'est mis en contact avec les deux frères, Dr. James Smith et Stephen Smith, qui avaient construit le premier site Holocaust de l'Angleterre à Nottingham. Et ils se sont mis en accord à ce que le bâtiment qui était ici soit modifié et servir comme l'outil éducatif. Donc le mémorial. Les travaux ont commencé en 2001 et le travail est fini en 2004, au moment où nous commémorions pour la 10e fois le génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda. Et depuis 2004 jusqu'alors, nous avons reçu à peu près 1 million de personnes qui ont visité. Nous sommes à Gisozi, c'est tout près de la ville de Kigali. Le choix de ce mémorial a été dû par le fait que c'était l'endroit le plus sûr, parce que vous savez, quand les génocides se déroulaient, ceux qui commettaient les crimes, il y avait bien sûr la guerre, là où le Front Patriotique Rwandais essayait d'avoir le contrôle total et stopper le génocide. Alors il y a eu la bataille. Et bien sûr, avec la bataille, il y a toujours des conséquences. Il y a par exemple des mines antipersonnelles. Cela faisait partie aussi des conséquences du génocide, mais quand on créait ce site, l'endroit était le plus sûr. Donc on était sûr qu'il n'y aura pas vraiment de genre de conséquences, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est que ça facilitait aussi le mouvement pour les gens qui venaient surtout dans la vie, en ville, de venir rendre hommage aux victimes, mais aussi les visiteurs. Les gens qui sont enterrés ici, j'aimerais signaler que tous ils ont été trouvés à travers la mairie de la ville de Kigali et aux alentours. Donc ça facilitait ces mouvements-là, surtout pour des survivants. Donc il y a le choix d'avoir une place vraiment accessible, un endroit sûr, mais aussi faciliter ceux qui avaient leurs membres des familles qui étaient trouvés de venir les enterrer ici dignement. Bon, voilà. Donc, nous avons la première partie, là où plus de 250 000 personnes sont estimées être enterrées depuis 2004. Et quand on enterrait les victimes, en premier lieu, ce n'était pas aussi facile que ça. L'identification de victimes n'était pas aussi facile parce qu'il y avait beaucoup de gens anonymes. Mais avec le temps, grâce aux aveux de boulot avec la juridiction Gachacha, les gens ont pu découvrir finalement non seulement le corps, mais aussi l'identité presque de chaque victime. Donc nous avons des gens qui sont anonymes, mais la plupart ont été identifiés. Donc nous avons cette partie, mais aussi à l'intérieur du musée, il y a trois expositions permanentes. J'ai dit que, comme je l'avais souligné,
Et cet endroit sert comme un outil éducatif. Donc nous avons une exposition par là à propos des causes, l'exécution ainsi que les conséquences du génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda. Et on parle aussi à propos des autres génocides et des tueries en masse dans notre partie du monde. Et aussi une partie dédiée aux enfants massacrés à l'époque pour en finir avec la génération. Donc ce sont ces parties-là, les parties principales pour visiter. Mais nous avons aussi l'archive nationale du génocide qui aide pour ceux qui veulent faire des recherches à propos du génocide, que ce soit au Rwanda ou ailleurs dans le monde. Et cet endroit aide à donner des résultats, mais aussi des informations pour ceux qui font des recherches. Mais ce n'est pas aussi visité. Bon, les gens viennent de temps en temps. Ce n'est pas aussi fréquent qu'ici. Par exemple, l'année passée, on a eu le pourcentage, bon, presque 90 000 personnes ont pu visiter le site. Et nos objectifs, parmi nos objectifs, on souhaite toujours que ce soit les gens locaux, mais aussi les visiteurs internationaux qui puissent visiter ce centre, parce qu'on veut à ce qu'on partage nos expériences, parce que nous avons pu croire que ça peut aider aussi à prévenir les mêmes choses ailleurs. Et nous avons reçu plus de 20 000 étudiants et des écoliers qui viennent ici pendant une période de l'année, et ils viennent pour apprendre à propos de bâtir une paix durable dans leurs endroits, donc dans leur location, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur domicile. Et c'est ce qui prend vraiment, ce qui nous prend le focus, notre priorité actuellement. Donc c'est ça, c'est pas seulement avoir des gens, c'est pas seulement partager nos expériences, mais aussi on essaye d'échanger cet endroit, bon, pas d'échanger, mais de garder le mémoire, mais aussi éduquer à propos de la paix. Et on travaille au Rwanda, on travaille aussi dans d'autres pays comme le Kenya, le Centrafrique et le Sud-Soudan. Les gens qui visitent ce mémorial, ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde. Mais si on essaie de faire le calcul, on voit que ceux qui visitent actuellement le mémorial, ils sont en nombre un peu égal. Et ça dépend de période. De le mois de janvier jusqu'au mai, nous avons fréquemment les gens locaux, surtout pendant le mois d'avril, parce que c'est le mois qui est consacré aux mémoires des victimes du génocide. Donc on fait la commémoration. Et avec ça, il y a plein de gens qui viennent, que ce soit pour eux-mêmes ou qui viennent dans des organisations locales ou internationales qui viennent ici pour visiter. Mais nous avons aussi les gens qui ont le leur enterré ici et qui viennent fréquemment pour honorer le leur et leur rendre hommage. À partir du mois de mi-mai jusqu'en septembre, jusqu'en octobre, nous avons fréquemment les gens venant d'autres parties. Donc, comme vous l'avez dit, les étrangers et les visites internationales. Le Rwanda s'apprête à être un endroit, un endroit vraiment sécurisé. Et aussi visiter ici, la visite est gratuite. On n'existe pas les frais d'entrée pour les gens pour visiter. Et comme je l'avais déjà signalé, et notre mémorial doit son existence à une institution britannique, Edges Trust, qui est basée en Angleterre. Et cette organisation a été invitée par le gouvernement rwandais pour venir gérer ces mémorials ensemble. Donc, ils travaillent en partenariat avec cette organisation. Et les fonds pour faire marcher ce mémorial viennent de cette organisation. Donc, ils collectent les fonds avec le fundraising pour maintenir ce site mémorial. Nous avons eu pas mal de visites. Des gens vraiment de toutes catégories confondues, je dirais, ont vraiment visité le mémorial. Les chefs d'État ont pu visiter ce mémorial. C'était l'année passée.
Son Excellence Macky Sall, le président du Sénégal, est venu ici. Et le message était d'encourager la population rwandaise, mais aussi d'inviter à ce que tout le monde puisse venir et apprendre de ce qui s'est passé ici. Mais c'était un peu très personnel parce qu'il ne peut plus... il a rédigé les textes, il ne pouvait plus les lire lui-même. Il s'est effondré en larmes. Et le message était un peu personnel, très humanitaire, mais aussi en tant que chef d'État. Donc, si on essaie de tenir en considération le message, c'est qu'on invite ceux qui ont visité ici, ils saluent l'initiative, mais aussi ils invitent tout le monde, surtout les responsables politiques, qu'ils puissent venir visiter et voir les conséquences des décisions qu'ils prennent. L'endroit où nous nous trouvons actuellement, c'est un endroit qui a été conçu pour inhumer dignement les restes du corps des victimes du génocide. Et j'aimerais signaler que l'endroit où nous sommes représente l'image de ce drame du génocide. C'est l'endroit où, nationalement, donc dans tous les pays, c'est l'endroit où le plus grand nombre de victimes du génocide est enterré. Nous avons plus de 250 000 personnes qui sont enterrées dans ces fosses communes. Et chaque fosse commune compte de 6 à 7 mètres de profondeur. Les gens sont mis ensemble dans des cercueils. Et compte tenu du temps que ça a pris pour commencer les enterrements, on ne s'attend pas toujours à avoir des corps entiers. Ce sont des restes du corps qui sont mis ensemble parce que les gens ont été laissés sur la terre, ailleurs pendant plus d'une année. Et donc il y a eu des chiens qui dévoraient les chairs pourries de leurs anciens maîtres. Et ce qui faisait que vraiment avoir un corps ancien, c'est de la chance. Et donc ce sont des restes du corps qui sont ensemble et dans des cercueils en bois. Dans chaque bloc, nous avons de 6 à 7 mètres de profondeur et les cercueils sont superposés. Quand on parle du génocide, de cette tragédie, on se focalise sur le nombre. Et le message qui est ici, c'est qu'on n'a pas enterré le nombre. On a enterré des personnes vivantes. Donc, avec ça, les gens se rendent... rendre leur conscience de ce qui s'est passé, donc l'ampleur de ce qui s'est passé ici. Mais aussi, c'est l'endroit où, après avoir visité, après avoir capté le message, les gens peuvent venir ici et essayer de penser, de méditer et de se recueillir, de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Donc cet endroit sert pour ce but. Et comme nous avons derrière nous, donc, soit devant nous, Kwibuka veut dire garder le mémoire ou se souvenir. Donc, c'est Kwibuka 23 parce que c'est le 23e anniversaire du génocide dans cette année. Donc, nous avons le thème qui prend chaque 5 ans et après 5 ans, on peut prendre l'autre thème. Donc, cet endroit est spécifiquement pour ses buts, se recueillir et méditer, mais aussi rendre hommage aux victimes. Bon, vous voyez, après le génocide, les Front Patriotique Rwandais, après avoir arrêté le massacre, ils ont mis en marche la réconciliation nationale. Ce n'était pas aussi facile que ça, mais c'était le prix à payer. C'était le seul moyen d'avoir l'assurance que ce qui s'est passé ici ne se reproduira plus jamais ici ou ailleurs dans le monde. Et le processus de réconciliation ne pouvait jamais aboutir sans avoir gardé toujours les mémoires. Donc cet endroit essaye à rappeler les gens de ce qui s'est passé et ils essaient aussi de rappeler les gens leurs obligations pour construire la paix, pour la réconciliation. Quand les victimes, les membres des victimes du génocide viennent ici, j'en fais partie, ma famille est enterrée ici aussi,
Quand on vient ici, ce n'est pas seulement se recueillir. On se rend compte aussi de l'ampleur de cette tragédie. Et on se met en position aussi, grâce aux efforts du gouvernement, on se met en position de ceux qui ont commis les crimes, mais on essaie aussi d'avoir le soif que ce que nous avons subi, que les générations à venir, nos enfants, qui ne passeront plus jamais dans la même chose. Et on a appris que c'est la réconciliation est capable d'éviter la même chose. Donc ça aide pour les survivants du génocide, mais aussi les familles de boulot et le boulot eux-mêmes. Quand ils viennent ici, ils se rendent compte de l'ampleur de ce qu'ils ont commis. Il y a vraiment ce sentiment de lâcheté, il y a ce sentiment d'avoir honte de ce qui s'est passé. Et parfois, ceux qui ont fait partie aussi de ce tragédie. Donc, ça aide les deux côtés à œuvrer ensemble pour la paix et la réconciliation en général. Il n'y a pas la volonté de revanche. Et après le génocide, bien sûr, ce sentiment était très, très vif parce que les blessures étaient encore là et très nouveaux. Et on saignait, c'était très normal, mais avec le processus, avec les efforts du gouvernement, nous avons finalement appris que la revanche ne fait que faire répéter la même chose. Et pour peut-être clôturer avec ce message, c'est que comme nous avons passé à travers ces genres d'événements, comme nous avons subi des conséquences directes, et ça fait très très mal quand on voit la même chose se passer, surtout en Afrique. Ailleurs dans le monde, oui, mais comme vous le savez, la charité bien ordonnée commence chez soi. Et on se sent très mal quand on voit ce qui se passe au Sud-Soudan. On se sent très très mal quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La même chose au Kenya, la même chose République centrafricaine. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut vraiment s'approprier toutes choses, mais comme nous avons passé à travers ce genre de choses, nous avons eu le soif d'avoir la paix partout et surtout en Afrique. Donc, c'est ce qui nous rend vraiment fiers que ce que nous avons subi ici, que ce ne reste pas seulement des blessures, mais que ça sert comme une leçon pour les gens. This way, oh, kakashwika.